Bonsoir, chers Africains. Soyez très attentifs ce soir, car je vais vous lire quelques articles de la charte de l'impérialisme et vous allez comprendre à quel point la France et ses amis colons étaient déterminés à maintenir les peuples africains dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté, de génération en génération. Sans plus tarder, voici l'article numéro 1. Devise de l'impérialisme: gouverner le monde entier et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux gérer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde, les plus puissantes du monde. Et donc, il faut toujours trouver un moyen de diviser les Africains. Et comme ils le font, vous le constatez, il y a tant de coups d'État en Afrique ici. L'avènement des indépendances, il y a. On ne voit que de coups d'État en coups d'État. Et ça, ce n'est pas un hasard. Tout a été planifié. Tout a été déjà planifié pour ne pas que nous soyons unis, pour ne pas que nous nous comprenions, pour ne pas que nous ayons un seul combat, un combat unique. Et comme ça, ce serait facile pour eux de nous dominer, de nous piller tout le temps. Et voici pour vous l'article numéro 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Ça veut dire tout simplement que nos pays africains-là, ils sont gouvernés par les colons, par les Belges, par la France, par les Britanniques. Et principalement, l'Afrique francophone est gouvernée par la France. Pour parler du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Sénégal, etc. Tous ceux-là, ce sont des villes de la France. Ce ne sont pas des pays. On va continuer avec l'article numéro 3 qui dit ceci. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire tout pouvoir dans les pays d'Afrique. Donc je reprends. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire encore tout simplement que tous ceux que nous appelons président de la République et puis nous les adorons comme des dieux, nous tuons ceux pour lesquels nous nous entretuons là. Ce sont des marionnettes, ce sont des pions, des éléments que la France a placés dans ses colonies pour que ces éléments-là l'aident à pérenniser, à préserver ses intérêts économiques. Parce que la France n'a besoin que de l'Afrique, que du sous-sol africain. Pour se développer. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. L'article numéro 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits par nous comme assistance et aide au développement. Donc, l'argent que les gens nous donnent comme crédit, les pays, les présidents des pays africains, l'argent qu'ils vont prendre dans les banques européennes pour développer leurs pays respectifs, c'est en réalité notre propre argent, mais qui a été confisqué par le colon. Et voici pourquoi aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français au niveau de l'Afrique de façon générale, parce que nous avons fini par comprendre que l'indépendance que nous fêtons chaque année n'est qu'une illusion, n'est qu'un simulacre. Oui, cette indépendance a été donnée sur mesure avec des accords coloniaux qui n'étaient avantageux qu'aux colons et non aux pays colonisés. Et voici.